Laisse-moi passer, Flipper. Mais qu'est-ce qu'il fait? J'espère qu'il n'est pas perdu. Au moins, tu connais bien un peu ton histoire, Oui, mais t'inquiète pas pour mon père. Hein. Mon papa, il va bien. Il a juste besoin de se reposer. Arrêtez, tous les deux. Il faut absolument que... Si Flipper arrive quelque chose, on va partir à sa recherche. Non, 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 Roselyne, non. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Pourquoi, Doris? Parce que je vous rappelle qu'il faut absolument que vous gâtiez un peu l'espoir. Un peu l'espoir? J'espère qu'ils vont peut-être y arriver. Ah, et voilà le travail. Wow, mais il me rappelle quelque chose cet endroit. Ah oui, tu connais bien un peu cet endroit. Et bah tiens, il y a trois poissons qui sont là. Mais c'est Nemo, Doris et Roselyne. Tu les connais? Mais évidemment, c'est là que, avec les filles, on était partis au océan de l'infini pour essayer de sauver tous les petits poissons. Mais maintenant, malheureusement, l'océan infini, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a un petit problème avec la transformation qu'on voulait avoir. C'est quoi en fait comme transformation? Non, je peux pas te dire, mais c'est top secret pour entre les Winx et tout ça. Mais non, parole de... Oh, mais j'arrive pas à y croire. Tu vas être Barbie. J'ai bien entendu parler de toi. Et oh, mais... Oh, je me suis cassé la gueule. Doris, doucement. J'arrive pas à y croire. Alors, tu l'as retrouvé, mon petit dauphin qui s'appelle Flipper? Eh oui, Roselyne, elle est juste là. Ah, enfin, je vous ai trouvé, enfin. Dis donc, Flipper, où étais-tu passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une longue histoire. Je vous raconterai ça plus tard. Bon, eh ben, tout est bien qui finit bien. Il est temps qu'on rentre. Attendez une minute. Tu vas être bien Aurore, la fée des animaux sauvages. Oui, comment vous savez? Parce que, en fait, comme j'ai beaucoup... Ok. Bon, c'est beau, fermez-vous boule, là. En fait, j'avais un petit problème de ma gorge et j'avais hyper mal. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup du mal à me parler. Ok, mais je peux pas vous aider. Comment vous appelez? Nemo, je m'appelle Nemo. Et mon papa, il est sous l'eau. Il s'appelle Marin. La dernière fois qu'on l'avait sauvé, le marin, le père de Nemo, on dirait plutôt comme ça, quoi. Ah oui, vous pouvez dire. Bref, mais bon, c'est pas grave. Laisse tomber. Merci beaucoup d'avoir sauvé la vie, mon petit Flipper, notre ami. Oui, et bon, écoutez, hein. Bon, merci beaucoup, mes amis. Je vous aime très fort. J'espère que vous viendrez très vite. Ne t'inquiète pas, on viendra très vite. Bon, je crois que je vais utiliser mon petite téléportation animaux sauvages pour que tu rejoignes les filles. Oh zut, le combat de Icy. J'ai complètement zappé. Il faut absolument qu'on se dépêche de sauver tes amis. Bonne chance. Et c'est qui Icy justement? Ne t'inquiète pas, Bloom, Stella et Misa et vous raconterez ça plus tard. Comme ça, ce sera beaucoup fait. Oh! Bon, on va vous laisser. On vous dit à très vite. Mais, ah, j'ai une question à poser. Barbie, peux-tu essayer de donner le pouvoir super puissant qu'il faut dire que l'océan infini ouverture... Ouverture... Ok, t'as perdu la boule. C'est bon, Flipper, je connais un peu la formule. Laisse tomber, Nemo. Barbie, est-ce que tu pourrais essayer de donner leur nouveau... En fait, c'est un nouveau super pouvoir qui est trop génial. Il s'agit du pouvoir de Sirenix. Si tu pouvais essayer de donner ça à Bloom, Stella et puis Musa, elle pourrait venir rendre petite visite au l'océan de l'infini. Est-ce que tu peux essayer, s'il te plaît? Et en fait, il faut que tu dises « Océan infini, ouverture de nous !» Comme ça, elle pourrait le transformer en Sirenix. Ok, la transformation de Sirenix,
Je comprends pas cette histoire. Assez perdu de temps. Il faut qu'on se dépêche. Allez, bonne chance mes amis et rendez-vous à très vite. Bon, il est en cours, entre. Venez. J'arrive tout de suite, Rosely. Eh ben, j'aurais pas dit de le dire tout ça aux Wings. J'espère qu'il viendrait venir ici. C'est quoi comme transformation que tu voulais donner? C'est le pouvoir de Sirenix. J'espère qu'il pourrait essayer de le revoir. Quel étrange. On verra ça plus tard. Allez, viens, Nemo. On va rentrer. Ouais, finalement, c'est pas normal que mes amis c'est toujours aussi. Finalement, c'est bizarre qu'on avait le pouvoir de poisson à l'océan de l'infini. Waouh, quelle nature. Bon, Nemo, j'arrive tout de suite. Misère de misère. Je commençais un petit peu à m'inquiéter dans cette histoire. À qui dit mieux, Sabrina. Dis donc, tu seras pas un peu amoureux de Jessie par hasard? Oula, j'aime pas trop cette histoire de votre problème tous les deux. C'est vraiment pas possible. Mais en fait, j'ai pensé la même chose, Anthony. En fait, j'aurais pas pensé tout le temps à Chelsea. J'ai l'impression que je me suis vraiment tombé amoureux. Je dirais plutôt comme ça, quoi. Waouh, ah bah alors là, je suis impressionnée. Quelque chose me dit, c'est pas normal. Mais bon, faut qu'on voit ça. Il y a quelque chose tombé en haut. Vous avez vu en haut? Hein? Oh là, oh oh, j'aime pas trop ce problème. Qu'est-ce qui se passe là-bas en haut? C'est mon dieu. Hein? Oh là, quelle est ce demoiselle qui va encore nous tomber dessus? Oh. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Waouh! Qu'est-ce que c'est que ce... Oh! Quelle est cette demoiselle? Oh là là, j'aime pas trop cette histoire. Il faut absolument qu'on le ramène par là, au pied. On va peut-être mieux le porter sur elle. Moi, je n'y pense pas du tout si c'est une petite demoiselle ou je ne crois pas. Waouh, tu as l'air un petit peu silencieux, Sabrina. Pas du tout, je dis n'importe quoi. Bon, il est temps pour la porte. Bon, les garçons, vous êtes prêts? On est prêts. Bon, venez me rejoindre. Je vous attends. Bon, elle est vraiment super lourde, cette demoiselle. Je me demande, comment elle s'appelle-t-elle? La pauvre, tu as vu comment elle est belle? Dis donc, Todd, tu seras pas un peu amoureux d'elle? Non mais tu n'importe quoi, Anthony. Je te rappelle que je suis vraiment amoureux de Jessica. Merde, j'ai complètement zappé. Et toi, t'es toujours amoureux de Bloom. Ouais. Allez. Enfin, il faut que je te vaincre. Pour une fois pour toutes, je vais utiliser le pouvoir de la glace et tu pourras plus la manger. Oh punaise, mais qu'est-ce qu'elle fait, Asby? Oh non! Oh, je crois que je vais peut-être me aider, Bloom. C'est trop beaucoup fait. Stella, fais bien attention à toi. Lâche-la, ton sel! Oh non, c'est encore ce stupide Stella qui m'a quand même sauté. Ah, si jamais tu touches à mon ami Bloom, tu vas voir, je vais utiliser mon pouvoir. Oh, c'est fini. Oh,
Eh oh, tu la touches pas, mon petit prisonnier. Attends, je vais utiliser mon pouvoir, tu vas voir. Ah oui, eh bien tu vas voir. Je vais utiliser mon pouvoir de surpuissance. Attends, tu vas voir. Je vais te donner une bonne leçon. Arrêtez, sale petit croumateau! Non mais je rêve! Comment c'est possible? Pourquoi je l'ai raté celui-là? Attends, je vais t'aider si tu veux. Ah mais voilà, je commençais à m'inquiéter. Ne t'inquiète pas, je vais régler à ce compte la petite fille de Stella. Allez-y, vous pouvez y aller. Oui, bon. Et toi, tu surveilles le petit plume. Sinon, je vais péter à Karen. Allez, c'est parti. Je vais essayer d'aider. Je ne peux pas le plus simplement pour moi qui peut continuer. Stupide boule. Tu vas voir. Je vais utiliser mon pouvoir de la glace et tu pourras plus bouger cette fois-ci. Non, tu restes là. Je vais peut-être même m'occuper de cette stupide Stella. Si jamais tu la touches une fois, un cheveu de Bloom, toi tu vas aller me payer. Je vois rien du tout. Oh non, je suis aveugle. Oh non. Oh, je me suis fait mal. Mais pourquoi je suis aveugle? Que s'est-il passé? Oh, misère. Je vois rien. Je crois que je vais me partir d'ici. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va le laisser tranquille. On verra ça demain. Je lui viendrai un jour. Je l'aurai. Allez, hop, téléportation. Je vois rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Putain, on dirait que je suis vraiment aveugle. C'est toi? Oui, Stella, viens. Puisque je vois rien du tout, mais je te voyais pas. Bloom! Qu'est-ce qui s'est passé? Je te voyais plus. On dirait que tu me vois rien. Oh, misère. Je suis vraiment désolée, Bloom. C'est ma faute. Je suis vraiment désolée. Mais non, Stella, ce n'est pas ta faute. Mais bon, c'est pas grave. Dis, tu crois que tu te vois un peu? Pas tellement. Mais il faut vraiment qu'on trouve une solution pour m'en guérir mes yeux. Ne t'inquiète pas. Mais peut-être qu'on peut demander à Courtney. Elle pourrait utiliser. Mais oui, on n'aurait pas pensé tout le temps à quelqu'un. Layla, rappelle-toi ce qui s'est passé. L'autre jour, elle avait le pouvoir de l'Enchantix et peut guérir et peut guérir vite. Et en plus, je crois qu'elle peut aussi guériser sur elle. Et ça veut dire qu'elle peut... Mais oui! En pensant quelque chose, le pouvoir de l'Enchantix,
avec la poussière de fée, ça marche à tous les coups. T'as tout compris, Stella. Tiens, je vais te conduire parce que mon ami, tu vois rien du tout. Ah, c'est sûr, Stella, je ne dis pas. Allez, on va rentrer. Ah. Les filles, je les vois. Où ça? Oh, ils sont là, les filles. Mais qu'est-ce qu'elle est arrivée à Bloom? On dirait qu'elle a les yeux tout rouges. C'est le moment que je délaisais ma poussière de fée pour l'instant. Youhou! Bloom, qu'est-ce que t'es arrivé à tes yeux? On dirait qu'ils sont vraiment tout rouges. J'ai l'impression que tu vois rien du tout. Est-ce que c'est vrai? Oui, je suis désolée, mais bon, à mon avis, quelqu'un m'a jeté un sort. Et ce n'est pas aussi facile. Ouh, j'aime pas trop ces problèmes d'histoire. Bon, il est en courant. Tu as raison, Stella. On va rentrer. Comme ça, on va régler tout ça avec les amis. Évidemment que c'est pas normal. Oui, mais au moins, j'espère que ça a été bien marché. Et si on verra ça tout à l'heure, on pourra peut-être essayer. Bon, on va retrouver les filles au plus vite. Tu as peut-être raison, Stella. En route, téléporte-toi, rejoindre les filles.